Pan, bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Est-ce que bonjour Twitch, je sais pas, mais sinon bonjour. Non, il n'y a pas de bonjour Twitch. Eh ben on vous emmerde Twitch. Bah voilà, donc j'ai le bouclier qui s'appelle Muraille, c'est le Hortor Tactique, il a amélioré parce qu'il est que niveau 7, c'est-à-dire qu'ils me l'ont rendu avec un niveau de moins, ces gros bâtards. dégâts à la cible, les dégâts sont augmentés de 15% pour chaque bonus malus appliqué sur la cible de cette unité. Excusez-moi, ça me passionne énormément, c'est pour ça. Est-ce que ce serait pas un poil mieux que le bouclier de mon capitaine? C'est plus à chier que le bouclier de mon capitaine, bah dis donc. Mais ça va être plus... ça va être... c'est kiff-kiff pour Totorus, ça y est, c'est Totorus qui le récupère, ça me fait plaisir. Oh, il monte des trucs. Bombette corrosive. Oh, est-ce que ça sent pas les nouvelles blagues de Taurus le retour? Allez, tu veux l'acheter? Je crois qu'on peut pas voler. Bah si, écrit, il y a l'option voler en bas. Non. Ah oui, on est peut-être un peu trop surrecherché, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Tout le monde a eu vent de vos méfaits. Il est désormais impossible de voler sans attirer l'attention. Triste. Le plan pansière. Le porteur a 25% de chance de pas subir de blessures. C'est rigolo ça. Masque de poison. Non, mais on leur achète. Tu peux leur acheter 75 balles là. Bah, je peux tout acheter, hein. Ouais, peut-être pas les maîtrises de. Les compétences de maîtrise. Non, les maîtrises, mais. Mais je sais même pas. D'ailleurs, est-ce qu'on en a encore besoin des maîtrises en vrai là? Bah, tout le monde n'est pas monté, je crois. Hein. Bah, chez toi, ouais, peut-être, mais chez moi, si. Ah, bah, bravo. GG à toi. Oui. Moi, normalement, tout est bon. Donc, toi qui n'es pas monté chez toi? Je te mets le bouclier de feu à deux coups flamboyants, hein, si jamais tu veux le recycler. Tirailleuse. Je te mets du chanvre aussi. Tirailleuse, y'a rien de monter. Et Edenal, il lui manque juste la flèche de recul qui n'est pas montée. Eh, mais en fait, je peux lui vendre le stuff, là. Bah oui, j'aime, je lui revends à 130. Je lui revends à 130 pour des trucs qui ont été achetés à 90. Je lui vends. Bah ouais, c'est 50 de plus. 40 de plus, pardon. Osef de Meref, prends tout, madame. Voilà. On est léger. Ça me fait plaisir. On est très léger. Tiens, je te rends une couscous. Merci. Et du coup, on a un peu de pognon. Ouais. Tu veux acheter tous les plans? Au moins les plans. Bah oui, oui, achète les plans. Bah, ça va nous faire de la connaissance, là, on passe un niveau. Blim. Ouais. Puis, si t'as besoin de maîtrise, on a fait 1500 balles. Bah, après, on pourrait les garder pour la fraternité, là. On a un bouclier entre autres à améliorer. Mm-hmm. Et je sais pas si tu veux respect des gens ou pas ou quoi. Ok. C'est... Non, c'est bon pour le moment. Moi, je vais les garder comme ils sont. Flasque de poison. Ok, c'est bon. Voilà. Oh. 7 d'alchimie, niveau 3. Confirmé. Je pourrais bientôt empoisonner même les armes de jet. Bien intéressant. Tu voulais pas qu'on fasse ce combat en niveau hardcore, si. Tout ça. Si. Vas-y, YouTube, ils se demandent ce qu'ils foutent là. Hein. En même temps, c'est ce qu'ils se demandent depuis le début de Code d'habitude. C'est ça. Pouce bleu, YouTube, hein. Cassez pas les couilles. Hein. Rejouer l'arène en mode difficile. On fait ça? On part? Ouais, vas-y. Hein. C'est amélioré depuis la dernière fois. On va leur casser le cul. Ouais. On rejoue les mêmes. Allez. Bagarre. Alors par contre, maintenant il va falloir faire très attention les exigences, il va falloir les remplir. D'accord. Un combattant sera mis hors combat à chaque fois qu'une exigence n'est pas remplie. Ah bon, on va faire ça. On va tomber sur Zinen de toute façon. Sophia ne doit pas subir de dégâts. Eh bah tiens. On a un os de barbe qui peut aller là. Cela vous surprend. J'ai l'impression que mon déplacement est moindre. Oui, t'as un truc qui enlève un point de déplacement. Mais t'inquiète pas, tu le touches ou pas? Je crois. Ouais. Je suis pas sûr. Tu gagnes brutalité. 74, pas mal. Et inspiration. Ah, Sophia sera mise hors combat si jamais l'exigence n'est pas remplie. Non, mais elle sera pas touchée, t'inquiète. Hein. Ça touche pas. Monsieur. La vérité, si je pense, ça a pas touché. Hein.
Les dégâts. C'est quoi le prochain à jouer? C'est elle là-haut, c'est ça, comme la dernière fois. Hop, ouais, je vais présenter ses côtes à tout le monde. Hop, affaiblissement. Tu seras... t'as un petit... Je t'ai donné de la marge. Hein. Si Zinlan ne fait pas de la merde, Sophia est jamais touchée. Débrouillez-vous. Bah, Sophia va aller à lui le connard. Hein. Ouais. Il se déplace à l'autre bout de la map, histoire de jamais être touché. C'est ça. Parfait. Impeccable. Meilleurs amis. Ouais, j'invite Zinlan à reculer après ça. Ouais. Est-ce que je dépense 2 points? En vrai, on va pouvoir les full régène, donc oui, vas-y. Hein. Est-ce que tu ne joues pas et tu te mets... Ok, d'accord. Ah oui, mais ce qu'on veut, c'est booster Zinlan, désolé. Sophia et mon mur sont maintenant meilleurs amis. Il était temps. Bon, bah GG. Ils nous ont pris une bonne petite raclée. Faut dire, on se demande les avions. La pression, on continue à remettre la pression. Ouais, je crois qu'en plus, ils ont pas été... personne n'a été touché, donc on peut générer max de points bah de bravoure. Bah oui, c'est ça, nous on n'a jamais été touché. Hop là, voilà. C'était bien. Hein. Faut dire... Certaines unités n'ont pas de bonus de sélectionner qui. Ouais, c'est Os de Bain. Ah, excusez-moi. Ouais. Je crois qu'on s'en fout un peu en même temps. On s'en fout un peu, ouais, carrément. J'ai toujours inventé un fichier en bas, donc bref. Os de Bard sera mis hors combat si l'exigence n'est pas remplie de ne pas attaquer deux fois la même unité. Oh oh. Ça va être compliqué par contre. Comme, oupsie, doupsie. C'est-à-dire que t'as pas le droit de mettre plus d'une gifle par gain. Hein. C'est ça. C'est ça le projet. Donc le prochain à jouer, c'est lui là. Oh, par contre, t'as un berserker sur Os de Bard là. Tu vas lui mettre un coup en mono en garde, vas-y. Hein. Vas-y. Hein. Sur vive là. Ouais, sur. Ah ouais, vive. Ouais, va buter, vive. Vive, je crois que j'ai mis un coup de pied, il tombe. Hein. Ouais, vas-y. Ouais, c'est ça, hein. 234, je peux peut-être garder ça pour quelqu'un d'autre. 45. Mmh. Ah, ça la tue pas, non, je suis obligé de lui mettre le coup de masse. Hop. J'ai gagné la brutality. Je vais voir lui. T'as le droit de le taper, hein. Est-ce que l'idée c'est d'abord de lui mettre affaiblissement? Ouais, bah non, il a déjà la vulnérabilité, donc c'est pas grave. Affaiblissement, affaiblissement, j'ai dit. Dégâts réduits de 50%. Vas-y si tu veux. Parce que du coup, je vais forcément prendre un mauvais coup. Dans cette histoire. Ouais. À moins que je me désengage. On n'aura pas le droit de le taper par contre. Exigant. Ne pas attaquer deux fois la même unité. Ouais, faut plus le taper là. Oui, mais ça va être avec le même bonhomme, non? Non. La même unité ne doit pas toucher deux fois, c'est tout. Ah d'accord. Donc là, Zinlan, voilà, ouf, 82, riposte, ok. T'as changé de bouclier? Mon mur? Non, ouais, mon mur, il a toujours son bouclier qui cogne les gens. Ça va être... va falloir faire attention. Là, je vais pas pouvoir jouer. Non, tu vas pas pouvoir le jouer ce coup-ci. Ou alors en mono, genre lui, je le tombe avec un seul coup de pied, quoi. Tu le tombes vraiment avec un seul coup de pied? Non, mais c'est la question, tu vois. Il y a que si je tombe lui en un seul coup de pied que c'est bon, quoi. Mais là, le shield, je peux pas y toucher. Sophia peut pas y toucher. Je sais pas si riposte ça compte ou pas. Si, ça compte. Si le moindre shot compte, on va pas pouvoir faire grand chose, hein. Moindre shot compte. Donc là. Il faudrait que. Donc moi ça veut dire que je peux pas bouger avec mon mur, hein, ce qui va mettre des coups tout le temps. Sinon tu vas... Sinon tant pis, Os de Bard il tombe par terre, hein, nique sa mère. Ça y est, Os de Bard il a joué. Non, mec, mais oui, mais après pour le combat d'après il va être... on va soit avoir sa vie, soit avoir son armure, hein. Pas plus, hein. Faut penser après. Pas très grave en fait. De quoi? Tant qu'il peut masser des côtes, c'est pas très grave. Toi qui vois, mais...
Mais sinon, bah vas-y, après... j'écoute, hein. Fais-moi des offres. Alors, parce que moi, je veux bien bouger et taper, mais Ben... je suis pas sûr de sécher. Après, si je mets des coups de pied, je mets 63 à 80 en frappe déstabilisante de base. Bah si tu peux aller juste lui mettre une frappe... Non, bah en fait, là, Sur même la ses frappe déstabilisante... Polios, y a peut-être moyen que je lui fasse un crit, je le one-shot, hein. Bah t'es obligé de faire un crit. Bon, vas-y, tente, hein. Mais le problème, c'est que si tu mets un coup de bouclier, Ozobard, il dégage, hein. Bah oui, mais si c'est pas ça, je vas-y. Bouge pas, hein. Et c'est toi qui joues, et tu peux mettre qu'un seul coup de couteau et qu'un seul tir à l'arc, hein. Ah bah, et qu'un seul c'est-à-dire tir, hein. Si tu fais un crit, t'es baisé, alors, hein. Alors, juste un truc. Oui. Juste un truc. On ne dé... c'est lié au POS, on ne le butera pas. Comment ça? Il a déviation. Ah. Et ben, on donc, tombera personne. Par contre, lui, là, il prend 100% de dégâts supplémentaires, il en inflige 100%. Oui, mais je peux rien faire, lui, je vais lui mettre deux coups. C'est sûr, lui, je vais lui mettre deux coups. Ouais, bah... Donc on est d'accord, on se débarde, il tombe par terre. Y'a pas le choix, mec, sinon on peut pas jouer. Si. Tu vas juste le mettre mon mur à côté, là. Comme ça, ce sera lui qui prendra et pas Sophia. Si tu veux, je peux l'engrainer. Je peux même l'engrainer, si tu veux, comme ça, il te monte ses côtes. Tu sais, je peux tu lui veux. Faire provocation. Vas-y. Ça, t'es safe Ouais. Comme ça, tu réduis 50% ses dégâts, il mettra que 50%, ouais. C'est quoi, je vais même me placer comme ça. Je vais faire d'une pierre 12 coups de midi. Hop, ouais. Là, regarde. Hop, là. Hop, pour récupérer un petit point vite fait, quand même. Parce qu'il est très probable qu'on va avoir besoin de réparer nos armures. The burn. Voilà. J'ai la riposte. Voilà. Mais ma riposte. Ah non, mais je mets pas de coup de bouclier sur la riposte. Si, je mets un coup de bouclier. Mais l'exigence est remplie. L'exigence, okay. Elle est bonne. Donc on ton a bel et bien contre... droit de. T'as droit de faire un tir critique sur un mec et de lui cocher deux flèches dans la tronche. Égorgeur de compte comme qu'une seule attaque, même si tu lui en mets trois, normalement c'est bon. C'est valide. D'accord. Bon, bah on va tester ça. Ne pas attaquer parce que c'est ne pas attaquer deux fois, c'est ne pas toucher deux fois quelqu'un. Ok. J'espère que t'as raison. Hein. J'ai toujours raison. Bon, moi je comprends pas comment ça marche. Bon. Alors ça compte pas sur les attaques d'Oport, j'en sais rien. Bon, puisqu'on peut pas descendre davantage, hein. Oh. Ça c'était un cadeau qu'il nous a fait. J'ai un petit cadeau, un joli petit cadeau qu'il nous a fait. Et bah écoute, Sophia elle va aller. Oh bah plus tout le monde, hein, ça y est, hein. Ozobard est sorti. Hein. On s'est fait chier pour rien, je savais qu'Ozobard allait sortir. C'est mort, mec, on a que des attaques, on met plusieurs coups. C'était cuit. Attends, comment ça il fait une. Il fait une riposte, je l'ai pas engagé. Oui, mais il avait une riposte. Oui, mais je ne l'ai pas engagé, j'ai fait une attaque à distance. Ah! Ouais, mais c'est peut-être parce que t'es à contact. Parce que les attaques d'opportunité, c'est peut-être dans une zone, et vu que si sa zone c'est contact, bah t'es à contact. Ouais. Tous les ennemis doivent subir des dégâts. Bon, ça va, c'est faisable. Vous voulez que je casse des culs Je veux bien que tu l'embrouilles, comme ça je vais le buter. Il joue pas tout de suite. Est-ce non, que, on est trois. Est-ce que par exemple, Sophia. Je vais te mettre un heal. Non, bouge pas, justement, c'est ce que j'allais dire. Je vais peut-être plutôt faire l'inverse pour t'éviter, toi, de récupérer trop de points de vie à la pause syndicale. Puis en plus, comme ça, je vais le contact. Je vais le contact. Je lui démonte sa moelle de pu. Ah, ça oui. Dégage. Bon, alors, ton bouclier, on saura, c'est pas considéré comme une attaque d'opportunité ou quoi que ce soit. Ok. Ça va être chaud là. L'union fait la force. Chaque fois qu'un compagnon est supporté, réussir une exigence confère 1. Ouais, je sais pas. On prend quoi? Bah, j'aurais dit l'union fait la force parce que le 1 de plus, en vrai, on en a pas besoin. Hein. Ok. Potentiellement. Ok.
Ah, nouvelle règle de l'arène. Quand un bonus sur une unité adverse est retiré, elle se soigne de 10% de sa santé max. Oui. Bon, comme la dernière fois. Ouais. Je vais soigner. Je veux soit réparer le machin. Je vais soigner ce bidule. Soigner ce bidule. Os de barde, il revient avec la moitié. Oh, il a juste été mis hors combat. Il est pas sorti. Ok, bon, ça va encore. Ça va, regarde, on n'a pas besoin de bras supplémentaires. Zinlen, on a juste pris et on est déjà quasiment au max. Hein. C'est vrai. Alors qu'on est tous en soins. Hein. Mm. Ça va. Hein. Inspiration. Attends. Chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un allié. Mon mur sera mis hors combat si l'exigence n'est pas respectée. Wow. Os de Bard, il peut déjà faire un carnage. Un bon carnage, mais là. Pas tout de suite parce que le premier à jouer n'est pas Os de Bard, c'est Mev qui joue en premier. Ah. Il doit terminer à côté d'un allié. Ouais, je peux pas envoyer mon mur, il est trop loin. Donc il faut impérativement que tu le gères avec. Sinon, tu colles Zinlen à quelqu'un et tu lui cloues la tronche. Tu le zones, je sais pas, tu fais des choses quoi. Ouais, je vais le zoner. Je vais me mettre là derrière Sophia pour que ce soit pas Zinlen qui soit tiré. Hop. Et de toute façon, il meurt, hein. Clairement. Merci d'avoir joué. Et c'est pris 400 PV dans la gueule, le mec. Bonne journée. Est-ce que je peux poser une zone? Non, bien sûr, monsieur, hein, égale-toi. Hein. Ces deux-là. Bah, ils vont se faire masser les côtes, hein, ces deux-là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, allez. En plus, t'as un berserker, mec. 100% de dégâts subis, 100% de dégâts infligés supplémentaires. Avec os de barbe. Vas-y. Oui. Va t'éclater. On peut taper des gens. Ouais. Le jeu il m'a dit que je pouvais. Ouais ouais. Et t'oublieras pas de bien finir à côté de mon mur hein, ou de n'importe qui. Waouh. Ils ont presque rien senti. Crois-moi bien que le bandit là il sent plus rien. Ouais. Il est officiellement anesthésié. À vie. À tout jaja. Bon bah voilà, hein. Et tu vas terminer à côté de mon mur. Hein. Ah, je vais me regrouper du côté de ta fifi, là. Ah ok, vas-y. C'était groupir. Comme ça, t'as le bonus de meilleur ami. Tarma, il a survécu. Très triste, mais il meurt. Oh, normalement, mon mur, il est mis hors combat. Et ils ont mis mon mur hors combat, ces fils de pute. Bah ça va, c'est pas... C'est des gros chiens quand même. C'est quand même des gros chiens parce que techniquement on a gagné, c'est quand même très dégueulasse. Ouais. Je récupère mon armure, mon mur il a presque rien. Je vais quand même profiter pour réparer mon mur. Voilà. Ouais, bah, à un point près. Oui, tu vois, mise hors combat de mon mur en fait n'a pas été comptabilisée, j'ai pas pris plus de dégâts que ce que j'avais déjà auparavant, je crois. Donc, alors, chaque compagnon doit se déplacer. Bon, ça c'est faisable. Ouais. Je te laisse commencer avec Os de Barde. Os de Barde, t'es sûr? Bah c'est okay, le seul qui peut taper en zone comme un débile et après je peux plus taper. Je fais chier tout le monde. C'est vrai. C'est ça le problème. Donc j'ai pas le choix, je suis obligé d'y aller avec lui. D'ailleurs est-ce que je le masse d'abord ou est-ce que je le... Non mais d'abord je le masse comme ça. Ouh. Ouais. Ensuite je le masse comme ça. Voilà. C'est vrai que t'as fait plus de dégâts. Je te dirais de... Mon parce mur, que la première fois on était allé avec mon mur, mais c'est vrai qu'avec mon mur on s'en carre un peu. Mon mur, hop, je le laisse là. Je lui remets un coup de latte dans les côtes derrière là. 61, pas mal. Ça devrait se faire assez rapidement. Petit coup de lame là. Il a plus je veux bien son armure, moi, hein. J'insiste, hein. Ouais, t'as vu, il a récupéré son bouclier, hein. Ouais. Attends, laisse-moi deviner, il est toujours niveau 8 son bouclier, c'est ça? Ah non, il est niveau 7. Ah, désolé, j'ai rien dit. Bon, couteau de cuisine, couteau de salle à manger, hein. Pas de raison. Oh, ouais, pas de raison. Hein. À moins qu'il y ait quelque chose qui empêchait d'eux, mais... Non, y a rien qui empêchait d'eux. Vas-y, hein.
Tu t'es équipé des super méga couteaux ou c'est comment? Oui, oui, je suis équipé des super méga couteaux. Ok. Ils sont comment ton goût? Ils m'augmentent bien mes critiques. Mais ils font toujours. Ils sont bien quand la personne n'a pas de garde, mais alors elle est faible, oui. YouTube va être heureux, il n'y a pas de chrono. Nager dans le bonheur, YouTube. 3 à 7. Bon, moi j'ai infligé le saignement, c'est tout ça. 149. Ouais. Ça, saignement, c'est très bon, Dylan. Sur un mec qui a une caisse à PV et qui va donc faire forcément beaucoup de points de vie. On est en 33. Très appréciable. Chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un ennemi. Ah, faudra bouger. Bon, je tape dedans ? Non. Si tu veux. Bah, Sophia, si, faudra que Zinlen le... bouge. Oui, non, mais je pense que là, Sophia le bute. Honnêtement. Bon, attends. Je le descends un peu quand même. Ouais. Non, c'est vulgaire. Hein. Et tu sais quoi ? Et en plus. Hein ? Comme ça ? Comme ça, l'économie ? Ouais. L'économie. On adore les économies. J'aurais même pu aller soigner. Ouais. Wow. Ce qui serait même idéal, c'est qu'avant que tu le tues, t'ailles soigner mon mur. Le gros là. Okay. Ce gros là. Un petit peu. Ça, comme ça, on gagne un peu de temps. Oh putain, on le soigne de presque rien, c'est tellement une caisse l'autre. Hey, on commence les dégâts? Ouais. On t'aura même pu faire une petite course pour revenir à la tête. C'est vraiment dans l'abus absolu. Bah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Merci le champion. Le petit coup de couteau à la fin. Duc. Well fought, mercenaries. I bet on you this time and you didn't let me down. 150 balles. C'est tout. Mais attends, est-ce qu'il y a moyen de... Il y a moins de piller tes caisses, connasse. Oh non, la rejouer, ça te donne rien. Bah, à part gratter 150 balles, quoi. Même pas, même pas, y a pas de récompense. Ah, y a pas de récompense, genre on va juste aller se faire casser la gueule gratos pour rien. Ouais, ouais, c'est dommage. Je pensais que quand tu le faisais plusieurs fois d'affilée, tu pouvais récupérer son marteau, genre d'avoir le set entier. Ouais, parce que le marteau, l'armure, tout le bordel, quoi. Mais non, le jeu n'a pas d'humour. You're willing to fight for nothing. Ah, putain, je te jure. No smuggler. Bon. Tu voulais peut-être lui acheter ces machins de non, progression non, non. De ah, niveau. Par contre, quoi? Ah, gladiateur. On gagne. Ah, c'est intéressant de le faire. Finir une arène ou gagner de la rousse à la rouste en mode difficile. Plus 4. D'accord. Bah, c'est voilà. Intéressant. Bah voilà. C'est facile, m'amène. Ouais. Bon. Maintenant, la garde va être vénère. Ça va. Franchement, en vrai, on n'a pas abusé. Moi, j'ai toujours la map en mode découpé. Hein. J'ai des liserets dégueulasses. Ça doit être parce qu'on est en bordure de map. Ah, si, j'en ai un petit liseré là. Ah, moi, j'en ai plusieurs. Hein. J'en ai vraiment un petit peu partout. La confrérie? Qu'est-ce que tu veux faire, la confrérie? Ah, oui, si tu veux. Bon, potentiellement, 1, on a un bouclier augmenté. 2, on vient de débloquer un truc de voile à Mysterium Ramasseur. Bravo. Du coup, ouais. On a débloqué un point. Ouais. Bah, juste une égratignure. Vas-y. Voilà. Tac. As de Bard, qui est toujours niveau 8, tu es un minable. Bien que bientôt, il ne sera plus un minable. Hein. Attention, ouais. C'est bientôt officiel. Hein. Bientôt il sera niveau 9. Ah. Ah oui, ce sera bientôt plus un minable. Ce sera monsieur. Monsieur Bourrin. Comme... Those guys over there are rubbish. Completely hopeless. Don't make the same mistake. Est-ce qu'il y a des bouquins que tu voudrais te prendre Non, moi j'ai tout, c'est bon. Écoute, Totorus, nouveau shield amélioré. Hop là. Eh bien, il nous suffit de partir. Hein. Ouais. Tous tes gays sont améliorés? Quasiment tous, ouais. Bah, améliore ce que t'as amélioré. En vrai, on a 1000 balles là. Ah, y a le camp de track. Merde, putain, okay. Excuse-moi. Excuse-moi. Non, moi je voulais juste aller voir le camp de tracker. Oui, non, mais c'est la hitbox du truc. Le machin est sur mon chemin. Ah, y a le camp juste en bas. Et en plus, le camp il est pas très très fort.
On était déjà venu ici. Il y a moyen qu'on soit servi un petit peu ici, hein. Je ne cache pas que... Voir toi. Ouais, on a tout pris. Peut-être un peu. Ah, je peux pas lui acheter sa picole. Bah normal, t'as pas les crocs sur toi. Ils sont dans le coffre. Ah oui. C'est combien? 54 crocs. Hop, hop, hop. Peut-être on lui laisse. Les crocs, c'est plus important que les thunes. Ouais. Sauf si on voudrait des petites fourrures fantômes. Bon, après, 38. Ça se casse la gueule. Bah, surtout qu'on en fait plus trop du fantôme, je crois. Non, on n'en fait plus. Bah, allons sur le camp, hein. Eh bien, écoute, hein. Et il reste un crâne quand même? Tu peux pas le descendre à moins d'un crâne, lui? Je crois pas, non. Ok. Los Bandidos, ils sont niveau 9. Des renforts ennemis arrivent. Comment ça, des renforts ennemis? Bah, il y a écrit en bas, des renforts ennemis arrivent. Ah ouais. Son repère est prêt à tomber, donnons le dernier assaut. Ok. Ça m'étonne qu'on peut pas le descendre encore d'un crâne, mais bon. A mon avis, il fallait faire tomber la tour brumeuse. Tour brumeuse. Je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. On va aller les brutaliser un peu. Ouais. On va les secouer un peu. Ça va les détendre. Est-ce qu'on mettrait tout le monde en haut? Est-ce qu'on mettrait tout le monde en haut? Ouais, je suis fort d'accord, voyez-vous. Alors, une petite mélanine là. Hop, je les mets en effectif serré. Boss de barre, je peux le laisser solo cul si tu veux. Les lanciers, je peux lancer. Mais non, mais Denal à côté de. Attends, non, j'ai juste remonté, j'ai pas fait attention à comment je les ai placés là. D'accord. Alors, mélanine là. Juste pour oublier personne. Ok, je. Pop, je peux bouger ma petite personne de la navigue. Si tu la mets là. Tirailleuse, je la mets là. Sophia là. Idéalement, je voudrais pas trop me prendre une bastos. Toi, t'as de la garde en tant que lancier. Donc, mieux. Je mettrai mon mur ici en vrai. Ah oui, parce non. Que t'as. Ok, oui, ok. Ouais. Tout à fait. Ah, puis et oui, on a viré moi. Tout le monde, ok, on a serré comme ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais. Oui, de base, je vois pas. Mal, hein. Allez là. Ouais, il traîne dans le coin, t'inquiète. Ok. Je suis pas très loin. Il doit être genre à peu près par là. Il se balade par ici. Emile chiffle par Zola. Il Emile en mars. Brutalité. Il y a des gens qui sont pas morts avec ça, hein. Les petits malins. Il y a personne qui n'est mort avec ça. Engage-le d'abord avec un polisson. Ah bah non. D'accord. Ouais, ça y est, c'est bon, c'est fait. Non mais c'est incroyable ça les dégâts compte, que tu chef. Poses. Hein. C'est incroyable les dégâts que tu poses, par contre. Hein. C'est bon, chef. Il est engagé, chef. Non, il est pas. Qui joue là-dedans, dans quel ordre? Ça c'est loin, ça c'est loin, ok. Ok. Attends, lui, il était où? Ah, ce coutelier, il joue dans pas trop longtemps. Sinon, est-ce que je peux aller embrouiller le fameux archer qui joue dans très longtemps? Ouais, voilà, lui. Est-ce que, genre, lui, je peux aller chercher, là? Non, c'est mort. Hein. Donc, je vais t'embrouiller ce coutelier-là. Ok. Voilà. Ça me fait plaisir. J'ai le droit légalement. Voilà. Légalement parlant. Il est bien, ce gros, hein. Depuis qu'on lui a enlevé sa ceinture de con, là. Tu veux jouer à mon mur pour générer 5 points? Est-ce qu'il y a besoin que je génère 5 points pour l'instant? Je ne pense pas, non. 3 points, non, mais vas-y. Après, dans ce cas-là, sinon je peux. Non, mais sinon je peux bouger un mec qui va donner la brutality à tout le monde. Hein. Je veux bien, oui, je le place ici. On se fait une petite. Ça, moi j'aime. On se fait une petite brutality maison, t'as vu? Vas-y. Just do it, fagot de bois. Alors, j'aurais pas tout le monde. Enfin, je vais essayer d'opti, voir si je peux. Ouais. Par contre, on en parle de ton placement de Mavig, vraiment. Bah quoi, personne ne l'aime, Mavig. Je l'ai mis au fond parce que personne ne l'aime. Vas-y, je vais faire péter ça ici. C'est YouTube qui a dit on l'aime pas, elle sert à rien. Tu nous casses les reins. Avec tout le monde en fait. Ah, mais attends. Mais il y a toujours pas la course, ce crétin. Ni les premiers soins. Oh. Toujours pas gérer ce gars-là en fait. Mmh. Oh la vache. Oh, ça nous donnera l'occasion de retourner à la fraternité. C'est vrai qu'il restait plus que Taurus à améliorer pour le coup. Mais c'est pas des maîtrises.
C'est juste la course et le premier soin. Toi, chez toi, tout le monde a course et premier soin, tu vas me dire. Tout le monde a course et premier soin. Ok. C'est quoi renfort là? Tac. Renfort en approche. Le renfort arrive dans un round. Ça m'a l'air pas mal ces couteaux quand même. Ça c'était pas le couteau, c'était le truc que tu voulais pas que je prenne entre les deux yeux. Ah, saignement, le truc pourri là. Nice. Ouais, ouais. Bah c'est pourri, hein, je te confirme. Putain, est-ce que tu lui colles en distance? C'est vrai que c'est marrant. T'as rien d'autre pour à foutre dans la gueule de ce méchant? Si, une j'ai petite course, tout ça là. C'est ça que je voulais faire. Bon, on va peut-être s'en aller. Tu peux pas lui faire une petite course dessus là? T'as claqué ta course et tout? Ça le tuera pas, hein. Bah, claque ta course dessus! Allez, passe de l'autre côté là! Bonjour, monsieur. Il reste plus rien, il reste 5 PV. Ok. Bon, bah, t'es un peu triste. Et... c'est qui tu joues là? C'est Melanine? Ouais. Ok. Bon, on va faire venir ton tour derrière Totorus par exemple. Je sais pas où tu peux aller. Toto! Bonjour Totorus. Totorus, mon meilleur ami! Pas encore. Ça va venir. Bon, là je crois qu'à un moment donné, il va peut-être falloir jouer un capitaine, hein. Parce que là, ouais. On suce du point quand même, hein. Prends les points et je lui suce par le derrière. Le capitaine masse, il se déplace de comment? Pas de ouf, hein. Pas de ouf, pas de ouf. Hein. Les archers, on les aura pas tout de suite, hein. Oula, oula. Oula, c'est lui. Oula. Oula, oula. Oula. Alors par contre, du coup, la prise de point est un peu dégueulasse. Noté, hein. Non, c'est pas ouf. Zinlen, non. Edenal, oui. Eh bien, mon Dédénal. T'as un grand Dédénal. J'ai un grand Dédénal, ça. Mais oui. C'est un bon Dédé. Hop là. Alors. Alors, toi, tu voudrais que je le provoque pour affaiblir avant de lui mettre un coup de pied dans les couilles, c'est ton projet, c'est ça? Moi, non. Pourquoi? Bah, juste ça va te. Bah, c'est bon. C'est avec lui qu'il faut provoquer d'abord pour lui mettre l'affaiblissement pour avoir la vulnérabilité derrière. Au revoir monsieur. Allez, c'est bon, tu peux aller chercher les archers. C'est ce que je vais très exactement aller faire. Je m'en doutais. Voilà. Alors je vais me faire engager, hein, mais Non, pourquoi? Mais je cherche la merde, hein. Enfin, je veux dire, je vais me faire taper dessus, tu vois. Mais... Par contre, je provoque. Hein. Je provoque comme Jeja. Hein. Tu connais Jeja? Eh bah, ben, comme Jeja. Moi, je peux faire ça, moi. Hein. Regarde. Mobilette. Ici. Sinon, tu pouvais y aller avec Zinlen, parce que je rappelle que tout le monde peut tirer sur mon mur. Hein. Ce genre, ça, c'est le festival. Hein. Ah, tu peux taper une course et tout. Waouh. T'as plus de move, là. Pardon? Ah si si, j'ai rien dit. Tuerie d'archer, dans le plus grand des calmes. Bonjour. Si vous voulez tuer un couteau ou un lancier là, le maraudeur. J'ai plus de chances de te tuer le coutelier. Hein. Bah tue le coutelier, hein, je t'en prie. Hein. Tue des gens. Je crois qu'il a plus d'armure, monsieur. Je fais quoi, moi? Bah, tu peux engager le shield, hein. Le shield, il a déjà joué. Ah, ça, tu descends le shield. Mais mets-toi au plus loin que la hache vienne pas te taper dessus. Ouais. Et essaye de rester contact avec mon mur, parce que je crois que c'est ton meilleur ami. Beaucoup de... Ah, beaucoup de données à prendre en compte. Ah, ça me fait bouffer 2 points, hein. Ah bah vas-y, bouffe 2 points, on s'en fout. Mais si c'est pas toi qui les manges, c'est Zinlen qui les prendra. Est-ce que ça a un grand intérêt que Zinlen les prenne? Je ne pense pas. Mm. C'est pas pour dire qu'il est mauvais, hein, c'est parce que tout le monde est très loin là. Donc je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Est-ce qu'on est joueur et le criminel, on le repousse et on lui dit non, tu joueras pas en fait, connard? Ah, tu peux, hein, vas-y. Hein. Ouais, hein. Ouais, ça me paraissait bien. Hein. Ouais, mais. Non, le problème, là ça me paraissait moins bien. Ouais, mais ça va le pousser. Bref. De quoi? C'est quoi le problème? Vas-y, explique.
Le problème, c'est que si je vais là, je vais le pousser dans cette direction-là. Donc je vais le rapprocher de Sofia qui va se prendre une bastos. Après, ça, si tu lui pourris son déplacement. Oui, ben regarde son. C'est parce que tu vas le ralentir, non? Ouais, je vais le ralentir. Mais bon. Moi, je pense que c'est foireux, mais vas-y, on va suivre. Oui, mais tu vas niquer tu vas nerf tes dégâts en fait de 5% potentiellement. Tu penses que tu le tues pas en fait, c'est ça? Déjà le coup de base. Ouais. Il atteint Sofia. Bon, il atteint Sofia. Bon, il meurt à la fin de son tour. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui joue. Est-ce que je dépense un point pour le tuer avec Zinlen ou... Oui, tu peux déplacer Zinlen. De toute façon, on va pouvoir commencer à le rapprocher, je pense, Zinlen. Hein, parce qu'il y en a trois dans le fond qu'on n'aura pas tout de suite. Hein, donc. Ouais, bah je vais le mettre là. Je vais claquer une habilité. Je vais le rembourser avec une attaque de base. Hein. Oui, bah sinon, t'es pas obligé. T'avances tout court, tu lui mets une cartouche. Parce qu'en fait, là, ce que t'oublies, ce qui peut être bien, c'est que le maraudeur n'a pas encore joué du côté de mon mur et Sofia. Ah ouais. Donc dans ce cas, tu peux aussi venir dans cette direction-là. Dépense des points, hein, parce qu'après ça, on fera un repos très probablement. Donc vas-y. Hein. Mets-lui une cartouche à lui de base, là. Au revoir. Ouais. On parle que c'est un critique ? Ah non. Oh. C'est presque dommage d'être obligé de le tuer comme ça. Mais bon. Et là, je sais pas, fais une course vers Sofia, mon mur, tout ça. Et puis pose une zone sur le maraudeur. Hein. Ça occupera le maraudeur. Voilà. Mm. Ouais. Oh, mon mur. Je crois que t'as des clients là. Oui, tu vas-y. Je suis d'accord. Joue tirailleuse à côté du lieutenant Will, bien sûr. À côté, voilà. Tuer le péon. Oui. Si tu récupères un point. Exact. Non, tuer l'autre connard. C'est pas que je veux pas, c'est que ça n'a. Quoi? Bref. Quoi? T'as merdé, tu ça veux avait dire. Ça avait 77% de chance de le toucher. Ah 77... Bah sinon, colle-toi à House de Barn. Je peux pas, j'ai pas de déplacement. Ok. Ah, t'as toujours pas la course non plus avec elle. Ok. À ah, c'est la seule que j'ai pas. À noter. Le criminel a joué, lui ne touche personne. Non, c'est pas très intéressant, je vais déplacer Stevie en... Que je vais mettre à côté de tirailleuse pour permettre à quelqu'un éventuellement de donner un ordre sur des meurtriers et des gens qui donnent des points. Oui. Je vais déplacer ma vigue aussi. Moi je vois un os de barde qui est très très content. Que le combat est pas terminé à la fin du tour, hein. Tu sais. Oui. Cela n'empêche. Alors, est-ce que je pousse celui-là? Est-ce que je pousse celui-ci? Celui-là, il bougera pas. Ça va descendre un peu son armure. J'aime bien ces ronds comme chiffre. Très rond. Merci. Bon, enfin. Il est pas mort, mais il a mangé. Hein. Un peu comme Sofia. Ah, c'est vrai que je suis désengagé du coup. Ah putain! Oh, ce mon mur énervé! Je qui encore? Qui? Sofia à côté. Non, pas moi. Fou! Allié! Regarde d'ailleurs! Ça va bien se passer. Tout ce qu'il y a en bas qui vient d'arriver. Boum, boum, boum. Alors. Est-ce que je bougerai pas mon mur? Est-ce que lui nous attend? Lui nous attend pas, on s'en fout. La mobile qui est là, est-ce qu'elle nous attend? Elle nous attend pas, on s'en fout. En fait, y'a personne qui nous attend là. Non, y'a personne qui nous attend ce tour-là. On est peinard. Ah oui, y'a personne en plus. Mais non, regarde où ils sont tous. Ah oui! Ouais, je peux aller masser des côtes. Vas-y. Excusez-moi, j'aimerais attendrir du steak. Du steak. De la frite. Avec du ketchup. Par contre, y'a pas eu un coup critique sur 6 coups. Oh, ça arrive, de temps en temps. Bah tiens. À moi. À moi, la légion. Hop.
Les mecs là-haut sont pas forcément très intéressants. Si, avec mon mur, je peux aller chercher. Il y a deux mecs qui sont arrivés par les murs. C'est la logique, ça. Ouais, ils sont passés par le trou du mur. Est-ce que tu voudrais pas l'engager, histoire que... Bah, il est déjà engagé contre toi, le gars. Tu peux pas faire une provoque ? Bah, ça sert à rien sur des gens qui sont déjà engagés, rappelle-toi. On avait déjà essayé. Fais une provoque, tu vas voir. Mais en quoi ça m'intéresse de faire une provoque ? Parce que, est-ce que je me mets pas directement dans son dos et je lui casse pas le cul, en fait ? Vas-y, c'est vrai que tu peux faire ça. Si finalement, envie de te dire... Voilà. Oui, c'est... c'est vrai que c'est plus utile. Je me place... Ah, va te passer par là, s'il te plaît. Bah, non. Pourquoi ? Une zone par là. Ah, parce que tu replaces... Oui. Moi, je n'ai pas l'intention que tu replaces ta zone tout de suite, parce que vu qu'ils jouent, à mon avis, ils vont venir dedans. Hein. Genre, là, le coutelier... il va venir sur la pointe de ta zone, très probablement, tu n'auras pas besoin de la replacer. Hein. Ouais. Enfin, tu pourras la replacer au même endroit, à mon avis. Hein. Ouais. Vas-y. Hop. De toute façon, où que je me place, tant que je suis en contact avec toi, ça change rien. D'ailleurs, au passage. Non. Il semblerait que The Bard doive déjà faire demi-tour. Ouais, le paquet de FDP. Ouais, ils sont un peu nombreux là. Ma question, c'est est-ce qu'il y a quand même renfort si t'as liquidé tout le monde ? Je sais pas. T'as buté quelqu'un ? Je ne sais pas ça. Par contre, là, on est un peu. Faible en points, est-ce qu'il n'y a pas un Edenal qui peut jouer ? Ou un lieutenant ? Sans... Bah, je vais jouer un Edenal. Tu peux jouer Stevie, hein ? Non, mais regarde, il y en a deux là. Je vais m'avancer un peu, taper. Oui, tout à fait. Je vais me mettre là. Ouais. Et laisser et quand tu te replaceras pas contre Taurus pour laisser le champ libre à Taurus, s'il te plaît. Ouais. Hop, regarde. Colla de Barn et Nice. Je me mets là, c'est bon ? Ouais, très bien. Hop, je dépense pas de points, hein, c'est pas la peine. On est un peu en dèche là. On est grave en dèche même. J'ai comme la vague impression. Ils sont nombreux. Je vais passer le tour de Stevie en. À moins que. Stevie génère 2 points. Ouais. Je suis pas sûr que Tyrius le one shot l'autre, donc je me serais bien avancé. Je l'aurais bien tapé. Ah bah attends, Mavig. Je peux lui envoyer de Mavig dans Ah oui, vas-y Mavig. Non, pas tout de suite. On va attendre que le criminel joue. Parce que le criminel sinon va venir taper sur ma vigue. Donc je vais littéralement passer tranquillement le tour de Stevie. Voilà. Et le criminel joue qui nous génère 2 points. Ils sont trop bien silencieux. Ils sont parfaits. Mm-hmm. Ils ne connaissent aucune faiblesse. C'est pour ça qu'ils sont lieutenants. Ah j'ai jamais utilisé le heurtoir. Bon oh, peut-être un jour. Pouk. Ça c'est pas utile. Qui est-ce qu'on a comme gens inutiles ? Ouais, elle aura pas le malfaiteur. Bah, je vais jouer le lieutenant Will. Après, si tu veux. Dommage. Après, si je veux. Bah oui, c'est quand je. Hein ? Ça a rien de passer 10 minutes sans rien dire. Attends de dire que je joue le lieutenant Will. Et sinon, j'aurais pu quoi ? Bah, j'aurais pu ramener une Sophia là et mettre un ordre là. En fait, dans le tout pack là. Dans tout pack ? Ouais, dans tout oui, pack. Mais ça sert pas à grand chose à part claquer un point pour rien parce que là-dedans, y a pas grand chose d'intéressant. Enfin, y a les gens qui s'engagent. Les gens qui s'engagent et Edenal. Oui, et Edenal qui a déjà joué. Ça, ouais, c'est vrai. Il a déjà mais joué. Oui, vas-y, ceci dit, ramène-toi, on pourra toujours te soigner les fesses au passage. Après c'est pas plus c'est plus très intéressant. Est-ce que je jouerais pas Si c'est intéressant, regarde là tu peux prendre Sophia, tuer le truand, parce que il sera pas dans la zone de Zinlen. Tuer le truand qui est là, revenir vers nous,
donner ton ordre et tranquillement attendre sur place contre régénère tes fesses entre Taurus et mon et of the Bard. Ce sera très bien. Ouais. Je fais une course, hein. Attends, je vais optimiser le truc. Ouais, bah j'ai tout le monde. Hop. Est-ce que tu veux que je rebouge un peu? Non, t'es très bien là. Tu bouges pas. Bah pour Taurus, hein. Taurus, bah, quoi, Taurus le déplacement. Bah Taurus, il va aller vers le haut, hein. Il va aller engager l'un des deux maraudeurs, hein. Ok, pas de soucis. Non, parce qu'il y a déjà un joli pack de lanciers à droite qui peuvent gérer tout ce qui vient, hein, les deux pauvres connards qui viennent de droite là, dont un archer. C'est pas faux. Non, il a pas trop besoin. Hein. Et bah vas-y, Taurus. Alors lui, il a joué ou il a pas joué? Il a pas encore joué. Il a pas encore joué et il peut engager des gens. Celui-là, donc... il a déjà joué au fait, hein, le criminel, hein, au passage. Je parle de celui-là là. Ah, ok, vas-y. Pardon. Lui là. Parce que c'est. Ouais. Tu parles de quel criminel? Celui que Mavig attendait pour aller taper le braconnier. Mais en fait, le criminel a déjà joué au début du tour. Ah, il a déjà joué au début du tour. Ah, bah, ouais. Tu sais quoi, bah, dans ces cas-là, oui, effectivement, je vais bouger. Je vais Mavig. Bouger Mavig dessus. Allez, on va voir. Là, t'as un critique assuré avec juste le courroux d'Erkahest. Non. Si. Attends, il a plus de force que toi. Putain, ouais, j'ai eu peur quand même. Non, mais j'étais parti pour d'abord lui faire tomber son armure. Bah, il est mort, le monsieur, si je retape dessus. Bah, tape-le. Mais je vais peut-être pas le retaper, parce que sinon il va mourir. Bon, bah, il est mort. Il est mouru. Ah, putain, j'aurais su, eh. Mais pourquoi j'ai autant de moves? Qu'est-ce qui me déclenche tape-le. L'inspiration? Le brise-armure. Ah, oui, putain, c'est vrai, elle l'a aussi, du coup, maintenant. Ouais, c'est bien. C'est vrai, hein, que c'est devenu un grand personnage, j'ai oublié. Elle est devenue niveau 8. Non mais elle est restée tellement niveau 7 si longtemps que je m'en fous même plus, tu vois. Qui a pas joué? Lui il a pas joué, lui il a pas joué. Donc là ça m'emmerde parce que c'est de là j'aimerais bien qu'il joue. Qu'est-ce qu'il nous reste à jouer là? Tirailleuse, Sophia, Mélanine et Zinen pour ma part. Bah Tirailleuse peut pas commencer à allumer le maraudeur un peu fébrile qui est genre juste là dans le coin là. Celui-là tac, là tac. Ouais genre. Parce que finalement que ce soit lui ou elle ou Mélanie qui le finisse c'est pas grave, toutes les deux reçues ordonnées. Donc Je dépense un point. Obligé. Ça va le rapprocher. T'étais pas obligé pour le coup. Mélanine qui va aller s'occuper des deux connards. Elle peut faire les deux. Tu veux... Non, tu peux faire les deux, tu peux faire les deux. Après, ouais. Si tu veux que je t'assure un coup facile, juste je l'engage comme ça, moi, avec mon attaque de base. Comme ça, je dépense pas de points et je génère un point. Bah, vas-y, mais tu vas le buter, hein. Ah, c'est t'as possible, pas, oui. T'as pas tapé encore, toi, oui, c'est, oui, non, oui, c'est possible qu'il ait un peu bah, attends, on va, regarde, j'ai toujours regarde, une hache pourrie, hein, ceci. Oui, non, il va prendre tarif. Regarde. On va jouer intelligemment. On va jouer un Zinlen. Alors, moi, quand j'entends intelligent et Zinlen dans la même phrase, ça me perturbe, mais d'accord. On va jouer intelligent. On va taper un... On va jouer un Zinlen. Je vais le replacer là. Taper le truc Je l'aurais pas replacé là. Pourquoi t'as peur que je me fasse En fait, je devrais replacer plus genre par là, tu vois. Ah, pour oui, forcer oui. Tous les gens à venir du même côté du rocher plutôt que de faire le tour du rocher, sinon ils vont perdre du move. Là, toi, ouais. Où tu veux te placer, c'est certes caché derrière le rocher. Par contre, ce qui va emmerder ton cône, c'est que les mecs vont pouvoir t'esquiver à gauche et à droite. C'est vrai. Ok. Alors. Donc, choisis un côté, celui que tu veux, mais choisis-le. Voilà. Genre là, c'est pas mal. Arrête. Idéalement, ce serait par là le mieux. Eh bah, mets-toi par là. Ce serait par là. Alors, oui. Attends. Non, c'était pas mal là où tu voulais caler vers le rocher. Mais... Tu les avais pas tout de suite, mais. En fait, c'est pour mettre mon attaque de base. Ah, oui. Ton attaque de base tire dans le malfaiteur qui est déjà amoché, non? Dans le malfaiteur? Oui. T'as d'autres idées con, toi? Bah, ouais. Tire dans le maraudeur qui est tout en haut. Ouais, parfait.
J'ai pas d'autres idées con. Allez, tic-tac. Ce sera le petit criminel, hein. Oh putain. C'est dommage que tu sois vraiment très nul. Avec une huile de promptitude qui a quand même pop, hein. Ouais. Dommage d'être nul comme ça. Et il a 40. Lui, je peux aller l'engager. Bah maintenant, tu vas l'engager, vas-y. Youpi. Pouette. Juste l'âge de base. Bon, tu peux faire ce que... Oui, l'âge de base ou n'importe laquelle, hein. Non, mais moi je gagne pas de points si je les tue, donc je vais laisser Mélanie les tuer, parce que là, regarde, bam, 2 points, c'est mon cadeau. Alors après, j'ai jamais essayé le heurtoir, à première vue, je fais rien, c'est nul, c'est à chier. Non, parce que, en fait, ah oui, il a pas de malus, lui. Oui, je lui ai pas mis de malus, rien, il a rien. Ok. Alors. C'est pour ça que finalement, ouais, c'est dommage, putain. En arme principale, il faudrait presque jouer avec une petite faucille à la con. Pour lui mettre des états débiles. Ça c'était vraiment cadeau, je crois, comme attaque, non? Elle génère cadeau. Tellement de morale. Après le moral, je vois pas trop en quoi ça impacte, mais on est d'accord. En fait, tu vois, ça. La barre. Ah, ça booste légèrement notre barre bleue, c'est ça? C'est ça, ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est plus quand on tue quelqu'un qu'autre chose, mais. Oui, à chaque fois que tu tues quelqu'un, t'en génères, hein. Ouais, mais du coup, t'en génères plus ou pas? Oui, moi, je vois pas en fait la diff. J'en génère un plus. D'accord. Mais il n'y a pas de valeur numérique, c'est ça qui est dommage. Si je me mets là, je vais gêner Osdebard qui va vouloir bouger, donc me mettre là, ce sera peut-être mieux. En fait, ouais, c'est très très dommage qu'on n'ait pas là-haut un résumé de ok, on Glorieux est 11, ils sont 9, machin, etc. Mais on gagne plus X points. Alors, début de tour, qu'est-ce qu'il joue en premier? C'est un mec en fond de map, ok, très intéressant. Mon mur, mon beau mur, il va venir ici tout de suite, il va me savater ce connard. Pof. Bonjour. Ah, vous avez une belle armure, monsieur. Vous encaissez bien, hein. C'est un bon bouclier que vous avez, hein. Vous allez être content, vous? Ouais, il a l'air pas mal, je trouve, hein. 2 points de vie, c'était dégueulasse. Culé. Salope de pute. C'était bien mon point de vie de tout à l'heure, hein. Putain. Oh, la ligne des passifs et des sorts que t'as, sérieux, c'est insane. Presque rien. Ah. Bon, bah, pourquoi pas. La distribution de gifles, ça peut attendre que ça arrive dans la zone de Zinlen. Ouais. Donc bah, ça, il n'y a pas trop de soucis. On peut rapate un Totorus. Bah tu pourrais même remettre remettre la brutalité sur tout le monde. Hein. Pourquoi il n'y a plus de brutalité? Ah bah dans pas longtemps, on va en perdre. Hein. Ah, intéressant. Mais ouais, vas-y, joue. Poum. C'est parce que c'est gratos. Mmh. Tac. Une course. Exactement. Parce que finalement c'est gratos. Je tiendrai ma position. Tu m'as demandé la bravoure de la bite sur tous. C'est très gros. Et ma peluche. Ouais, la peluche comme ça, qui éternue. C'est ça, oh, ouais, putain. T'as entendu. Oh, le décapage de naseau, ouais. Ouais, vas-y, hein. Je crois que tu peux les atteindre avec Osdebard. Non, attends, je vais te libérer. Non, la place non, je avec pas trop parce que je me suis un peu gêné avec Totorus, tout ça. Hein. Ouais, attends, je vais te dégager la place. Ah oui, j'en ai oublié qu'il fallait qu'on pouvait soigner Sophie. Attends, je vais la rebouger, je vais la mettre là, comme ça t'embêtera pas. Ouais. Et puis de toute façon, elle est trop loin et trop amochée, je vais éviter de. Voilà. Comme ça, avec Totorus, tu vas pouvoir. T'as un joli pack de 4 qui s'est formé. De 3 ou 4 qui s'est formé là. Bonjour. Ah, un coup normal, 145, hein. Bon, en même temps, il commence à avoir des dégâts supplémentaires, le monsieur. Hein. Il commence à avoir une dex aussi. Ah, bah, il a 10% de dex supplémentaire bah, tu avec. Tu peux gérer Mélanie, parce que je pense pas non plus qu'elle peut atteindre des gens. Mais tu peux la placer derrière ma vie, par exemple, si tu veux commencer à l'avancer. Ouais. Pour pas faire la piste. Mettre... Derrière ma vie, ouais. Ah, je suis con, j'aurais. En fait, non, même. En fait, Sophia, même pas besoin de la.
au final, pas besoin de la. T'aurais même pu soigner Sophia d'ailleurs si tu voulais, mais ouais, ouais, effectivement. C'est juste pour renforcer l'amitié. Oui. Non, là en fait, l'idée c'est de renforcer l'amitié entre les gens. Bah, Zinlen, je voudrais éviter de le bouger. Non, Zinlen, clairement, pour l'instant, le joue pas. T'as Tirailleuse que tu peux rapate pour commencer. Ah oui, mais non, parce qu'elle, elle pousse des gens. Des Dédénales, ouais, peut-être. Des Dédénales, ouais, là ou là. Non, là, tu vas me fermer la place avec. À mon bonheur. Si je me mets là. Avec le gros. Et là si tu veux, oui. Là, je te gêne. Oui, là, tu gênes, là, carrément. Ouais. Là, tu bouges tout le passage. Ouais. Et mets-toi entre Taurus et Mélanine. Ouais. Pourquoi tu veux absolument me fermer le passage? Ah, y'a encore ce pélo là! Bah, tiens, Tirailleuse avant de bouger. On pourrait par exemple se faire un grand plaisir de lui casser le cul. Et de le repousser? C'est ça. De dire après, prochain tour toi. Toi, tu mourras en dernier. On t'aime bien. Merci de prendre une place dans la file d'attente. Allez, ouais, merci, au revoir. Là, un petit coup de hortoir, lui, par exemple, ça lui fait mal. Un peu plus, oui. Oh oui, un peu plus, oui. Bah, il prend 15%, 25%, je sais pas. Oh, les armes. Oh là là. Oh là là, je... Il tient pas la position, le lieutenant. Non, ils lui ont tombé sa pose. Mais ils ont déjà oh, tout joué, ces gros fils de yinche, là. Carrément, quasiment, ouais. Oh là là, je vois un monde, là. Il y a un monde où il y en a un qui va mourir. Il y a un monde qui se dessine, là, non? Je vais t'écrire un monde au milieu de splendeur. C'est lequel qui a pas joué encore? Ah bah non, il est mort, ok. Ah ouais. Soit je recule en zone, soit j'embrouille l'archer. Fais ce que tu veux. Qui est le prochain à jouer chez eux? Ah c'est... non, je vais reculer en zone. T'as encore dû déplacer. Ah bah oui, d'accord. Ah oui, non, on s'en fout, on aura tout le temps de rejouer avant lui. Parce que Zinlen va remettre une zone. Il va très probablement choisir de s'avancer d'ailleurs. Ouais, il va choisir de s'avancer. Et qui n'a pas joué alors chez nous là? Parce bah, que après... Ah bah non, bah Osdebard passe son tour, il reste plus que Zinlen, vas-y. Je t'en prie. Ça. Peut-être effectivement te déplacer. Je vais les mettre devant là. Tout à fait. Contact de ton lieutenant préféré. Ah qui... Que tu peux soigner. Tu peux soigner ton lieutenant préféré. Oh là là. Est-ce que j'ai vraiment envie? Ah, il a fait des... Eh, hey, socialement, il a fait des efforts. Il a fait des efforts, je vais en faire aussi. C'est le capitaine à côté qui fait « Bon, arrêtez de vous taper sur la gueule au bout d'un moment, vous me faites chier. » Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je remette une zone? Bah bien sûr. The Bard, il va la rentrer dedans. Ah oui, ouais. Oui, non, c'est... non, ça sert pas à grand-chose, effectivement. Non, effectivement. Il y a un autre bar qui va vouloir oui, le rentrer c'est, dedans. C'est pas faux. Non, mais j'avais même pas calculé, tu vois, moi-même. J'avais même pas calculé que c'est vrai qu'ils étaient magnifiquement bien collés l'un contre l'autre. Restez bien serrés, les filles. Souriez. Souriez, vous êtes tabassés. Wow. Wow. On a retrouvé un pot de power level, hein, ça fait plaisir. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, ça avait manqué à tout le monde. Hein. Non, 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 non. Quoi qu'on aurait pu dire oui. On pourrait dire, franchement, non mec, tu mérites de survivre. Moi, je pense qu'il méritait. S'il te plaît, je veux voir un truc. Laisse-moi vas-y, jouer. Je t'en prie. Je veux voir un peu les dégâts doublés de ça sur quelqu'un qui est saigne. Qui saigne. Oh, 108, c'est pas mal, hein. Bah, c'était pas un crit, hein. Mais 108 en pas crit, c'est quand même pas mal, hein. Pas faux. Ouah, par contre, il y a du stuff, là. Oh, il y a des couteaux qui sont tombés. J'en prends un. Oh, ah, bon, moi j'en ai pris deux. C'est des couteaux à deux mains. Hein. Ah, c'était des couteaux à deux mains, ça? Oh, ouais. Ah oui, merde, c'était des deux mains. Bah tiens, je te rends les deux mains. Merci. Hop, on va ranger le tissu ici. Statuette de champion, c'est dans la poche. Oh, une armure, mais avec un emplacement. Ouais, ça c'est cool pour un petit os de barde. Oh, bah parce qu'en plus, je crois que c'est la même que moi, mais avec l'emplacement d'armure dessus. Réparer tout le monde. C'est ça. Je viens de réparer tout le monde. Hop. La phase de camp. Oh, attendez, coupez du bois. Coupons du bois. La récompense du bois. Oh, beau. Regardez cette posture. Regardez ce dos droit. Ouh. Il ça vous fait des choses un peu quand même. Ouh, je cambre. Regardez comment je tends mes fesses, les hommes. Détournez le regard, les filles.
Ah, représentant attends, du marché noir. T'es mérité, célèbre. Allez hop. Oui, normalement, on a redébloqué un voyou, non? Ouais, ouais, regarde, il est là. Oh! Plan de tonneau de brassage. Oh! Davier, cette unité a une chance de ramasser des dents en or à la fin des combats. Assurance de barde, tout de suite. Est-ce que c'est pas un peu le destin du mec? Et t'as, je rappelle qu'on t'a acheté la pansière d'ailleurs aussi que tu pourras fabriquer si tu veux. Ouais, un baume infectieux. Je vais prendre. Hein. Ah oui, oui, prends. Y'a pas la alors, course aussi alors, que tu voulais moi il manque la course et le premier soin sur mon débile. Sur mon débile, enfin c'est vite dit mais. Vas-y, on peut la voler hein, parce qu'on a notre réputation. Non, tu peux pas. Non, on est à 100. Tant qu'on est à 100, je demande, je demande, alors ça va. Je pense qu'on pourra pas voler avant. Est-ce que. Taurus officiellement peut soigner des gens et courir enfin. Parce qu'elle pas, on lui a expliqué au cuisinier, mais je soigne déjà les gens. Non, alors donner à manger aux gens ne fait pas que les soigner. Ah, tu gardes rien. Alors attends, avant de quitter ça, je vais regarder si ma vie Glamas est plus intéressante que celle qu'elle a. Elle est moins intéressante que la masse qu'elle a, mais pas grand chose. Mais la masse de barde. T'as vu les actifs qu'elle a dessus? Et l'armure est mieux pour os de barde. Je vends donc ceci. Je récupère le renfort du cerf. Os de barde, renfort du cerf. Voilà, félicitations. T'as os de barde a encore plus de force. T'as vraiment voulu remplacer la masse. Mais tu sais que la masse de ma vigue est pas si folle que ça, monsieur. Mais elle met un critique obligatoire quand il y a. C'est de la merde. D'ailleurs, je vais switch leur armure. Je vais remettre une armure de base sur Taurus. Et je vais être l'armure avec le bonus de force sur ma vig. Comme ça, elle a un peu plus de force. Elle passe à 45. Un bandeau de travailleur. Ah okay. Bien d'expérience de métier, ça se prend. Moi, j'en ai mis un sur sur ma vig. Ma vig aussi. Sur ma vig, si t'es d'accord. Vas-y. Dégâts augmentés de 10% si adjacent à un allié au combat. Oui, mais ça, c'est un collier, c'est accessoire d'animal. Donc je prends, des os. Ok. Plume légère, portée plus 1. Ça, c'est toi qui vois. Hein. C'est toi le portiste. Ouais. Hein. T'aurais pu fermer le truc en bas quand même, hein, parce que c'est au milieu de l'écran, c'est moche, c'est dégueulasse. Moi, je veux partir. C'est horrible, ça me fait mal aux yeux. Merci. Ça me fait plus mal aux yeux. Ça guérit ma folie, c'est bon. Waouh. Donc, l'arracheur dedans. Ah, mais si je lui mets l'arracheur dedans, c'est à la place de ses 10% de dégâts. C'est pas possible, je peux pas prendre ça. Expérience métier, il est déjà grand maître. Gagne également 1 d'influence quand gagne de l'expérience de métier. Mais t'es grand maître Jedi. Tu gagnes plus rien en expérience de métier, chef. Et toi, cuisinier en chef, tu es maître aussi, tu ne gagnes plus rien. Will. Ridicule. Will, il est pêcheur. Ouais, mais lui, il a déjà un truc qui est super bien. Non de rien. Sur ma vigue, j'ai deux poinçons à refourguer. Ah, on a Georges qui est monté de niveau. Georges Clooney. Georges Clooney, on lui a donné un blaze, il a monté de niveau. Voilà. Cool. On va dans le. Et on a gagné 5% de transport et durée de course augmentée de 5% au passage. Pas mal. On a fait. On a été bon ou pas? Attends, j'ai des choses à vendre moi, la madame. Ok. Les poinçons, je les vends. Hein. Vas-y. L'arracheur dedans, du coup, aussi, hein, parce que à moins que toi, ça intéresse quelqu'un. Une place sur ses ceintures. Et le bouclier de. La rondage du paladin, t'en fais quelque chose ou pas là? C'est qui fout le feu? Attends. D'accord, tu t'en fais quelque chose, on est d'accord. Tu en as chouré dans leur camp de merde? La rondage, non, j'en ai pas utilisé, moi. Mais tu veux la désosser, tu veux en faire quoi? Parce que je la vois stockée. Le mouton, c'est pour moi, là, j'ai dit. Ah, parce que je vais la désosser ou on peut la vendre, hein, 80 balles. Je sais pas, c'est toi qui... Moi, je te mets les objets, t'en fais ce que tu veux, après. Hein. C'est pas... Moi, je suis personne, tu sais. Hein. C'est toi le patron, je suis hein. Personne. C'est que je ne suis personne. Hein. Ouais. Et je vais la désosser. C'est pas moi qui joue le capitaine, quoi. Ah! Hop! Ça, c'est moi. Hop, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. T'as vu, hein, par ordre de priorité. Hein. Par ordre de priorité? Attends, t'as pris la picole en dernier? La bouffe en dernier? Le sel en dernier? J'ai pris la marchandise en premier. D'ailleurs, si jamais on veut retourner voir des gens là un peu loin, ça se vend, hein, les épices, hein, à prix d'or. Mais bon. Et ça fait quoi ce truc là de mouton que j'ai récupéré? Mouton gratiné. Vitesse de déplacement dans la neige augmentée de 20%. Si la troupe est recherchée, la vitesse de déplacement dans la neige est augmentée de 20%. Oh, on va aller se faire un rag, hein, je crois, juste après. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, carrément. Bon, on a un petit gueuleton pour. Alors,
Attends. En parlant de petit gueuleton. D'ivoire. Est-ce qu'on fait pas un repos là tout de suite maintenant? Est-ce qu'on fait pas un repos là tout de suite maintenant et on claque pas une bannière? Une bannière pour la connaissance, parce que j'ai potentiellement pas mal de... Alors j'ai un... Deux... Moi j'ai fait des côtes de loup, une étoile. Non, j'ai que deux. Ah, j'ai fait deux côtes de loup, une étoile. Dégâts critiques augmentés de 30% au prochain fight. Il y a que deux plans que je peux faire. Il y a que deux plans que je peux faire, donc ça vaut pas le coup. Je vais les faire maintenant et puis basta. Mm-hmm. Après, niveau connaissance, on est quand même large. Potage de brochet. Et ça, c'est mon cadeau à ta communauté. On a gagné. Ouais, regarde. Ouais, regarde, le cuistot va être content. Est-ce qu'il est pas le temps de tester des... Ah putain, on a plus de sel, hein. c'est un drame, on a plus rien. Le cuistot, il va être content, mec de... Ah, il y a de la picolinade. Ouais. Je sais même pas si c'est le cuistot qui fait partie des alcooliques du crew. Non. Je sais même plus c'est qui, les alcooliques du groupe. C'est Tirailleuse et je crois que c'est le lieutenant Will. Est-ce que ça nous intéresse vraiment, orientation cannibalisme? Je ne pense pas. Non. Perso, non. Bah moi, je serais bien les débloquer, la fameuse infusion de chambre, voir un jour un peu ce qu'elle vaut. Attends. Et puis parce que potentiellement, ça ouvre de nouvelles portes, parce que je vois qu'il y a une autre infusion à côté, qui n'est pas déverrouillée. Il nous manque toujours les ricoques de boutons. Putain, c'est une recette à acheter, on n'a toujours pas trouvé. Où est-ce qu'elle est? Ça va me rendre dingue, hein. Attends, moi je sais qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Par exemple, les tendons à peau, le pilori, le pieu d'empalement, le fouet. Ça c'est drôle. C'est juste pour dire que c'est drôle. Dans le forgeron, on n'a rien de spécial? Non. Non, on a rien. Ouais, alors le... Ah si, il y a des choses dont tu nous as pas parlé, toi. Ah bon? C'est que tu peux améliorer les armes avec ton alchimiste. Les armes main gauche. Mais je te l'ai dit, mais il écoute rien. Mais je l'écoute pas ce que tu dis, ça ne m'intéresse pas. C'est bien ce que je dis depuis le début. Ah, je vais le défoncer. Oui, je peux les mettre empoisonnés. Je tends déjà mes fesses. Il y a l'acier acadien aussi, tu peux peut-être commencer à faire de l'acier acadien. Ouais, alors je te propose d'aller regarder un truc, Oui. On a débloqué l'écu lourd en acier acadien. Regarde le niveau de l'écu, s'il te plaît. Requiert le niveau 11. Je crois qu'on n'y est pas encore, hein. Non, c'était pour toi si jamais tu voulais fabriquer déjà de la matière première pour nous alléger, pour débloquer des connaissances, des trucs, des machins, quoi. Allez, si tu veux, à la limite. Non, mais c'était pas obligatoire, mais je veux dire, déverrouiller par exemple les armes fantômes, c'est plus intéressant, comme ça, moi, si j'ai pas les moyens, pour les... Je fais des mains gauches fantômes, que tu peux nous empoisonner, soit ça, moi, comme soit je te dis, sinon l'infusion de chambre. Parce que je vois qu'il y a une autre infusion à débloquer derrière, je sais pas c'est quoi. Fais l'infusion de chambre. Comme ça, on verra, et dès qu'on a un petit lolo, dès qu'on arrive à trouver du lait sur un marchand... Vas-y. Voilà, et une fois que j'en aurai fait un, effectivement, je vais débloquer la recette suivante. Eh ben... Confirmed, c'est marqué dedans. Est-ce que tu veux mettre quelqu'un à la brasserie? Alors on va brasser un max, hein. On va brasser un max, qu'est-ce qu'on a autour du camp? Bah Will. Oui, il se monte à se sociabiliser comme ça, déconne pas mec, quand même. Il serait peut-être temps de recruter un nouveau compagnon. Mm-hmm. On se fait un petit vin, là? Allez, on se fait du vin. Pourquoi? T'as mis quoi de vos compagnons? Oh non, parce qu'on a très... Sur tous les trucs qu'on a, bah, y en a pas beaucoup qui sont utilisés au final. Y a le feu de camp, la tente, l'atelier. Ouais, on me le détecte là, tranquillement. Ouais. Non, on est bien. Ouais, ça avance, bien. Mélanine, là? Mélanine? Ouais. Le truc là, ça bosse. Ouais. Qu'est-ce que je nous claque? On va aller faire quoi? Là, il va falloir aller faire un rag et aller se paumer dans la montagne parce que sinon on va se faire défoncer, je pense. Donc c'est ce qu'on va faire, on y va, c'est sûr. Ouais. Ah oui, carrément. Ok. J'augmente les critiques. Par contre, on trace tout droit. Hein. T'étais prévenu. Oui. 20% de chance de se faire. Ok. Non, je vais enlever ça. Ah.
Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mouvement augmenté de 1 jusqu'au prochain repos. Dégâts crit 20%. T'as pas un mat fin aux pommes? J'ai mieux. J'ai pas le mat fin aux pommes, mais j'ai mieux. D'accord. Je suis en train de chercher. Je nous mets le top du top. J'ai pas mieux. J'ai pas mieux. On va surbouffer, mec. Mais là, si on trace tout droit sur Arag, on lui nique sa mère. Hein. Ah ouais, vas-y. Voilà. Je peux pas te dire plus. Hein. Je sais pas si t'as vu le détail, mais ça va sauter. J'ai vu. Ça va le tabasser. Ouais, on a ça, nous. Oui. Ah, un morceau de poterie. Alors, avant de quitter le camp, s'il te plaît, laisse-moi juste le temps de remettre un truc. Voilà. Voilà, et des bisous YouTube! Au revoir YouTube! On se retrouve pour Arag la prochaine fois, des bisous! Eh bah des bisous!